t'es là, Jeff. Maman s'inquiétait, elle m'a envoyé te chercher. Deux petites minutes. Je n'en ai pas pour longtemps, fiston. Bon, alors, on y va, Jim? Oui, allons-y. Et c'est pas terminé. Après les clôtures, il a les volets du deuxième étage à réparer. Oui, je sais. Oh, le pauvre. Il a trop de choses à faire. C'est sans espoir. Oh, mon Dieu. Tenez, Maria. Oh. Réveille-toi, mon petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te sens bien? Et que tu travailles dans la mine de la ville voisine, c'est ça? Papa, il faut aider mon papa. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, ton père? Où est-il? Dis-nous où il est. Dans la mine, une coulée de boue. Il faut l'aider, il est coincé. Je vous en prie. Bon, très bien, on y va. Où? Bon, d'accord. Lolita, tu vas trop vite, ralentis. Mais il faut absolument se dépêcher, sinon on arrivera trop tard. Allez! T'inquiète pas, Jeff, nous allons le sortir de la mine. Oui, et j'espère seulement qu'on n'arrivera pas trop tard là-bas. Mais non, tu verras, nous allons le sauver. Et surtout, les gars, faites attention aux éboulements! Oh, c'est impossible à dégager. Je n'arrive pas à le déplacer ou à le casser. Diego, ne perds pas ton temps à discuter. Oui, mais... Oh, t'es toujours en train de te plaindre, ça suffit maintenant. Ça ne sert à rien de continuer, c'est trop difficile. Oh. Je suis bien de votre avis. La surface de la roche est trop glissante, il n'y a aucune prise possible. À main nue, je ne vois pas comment on va pouvoir les déplacer. Mais il faut sauver ces hommes. Je ne vois qu'un seul moyen, les explosifs. Des explosifs? Vous voulez qu'on fasse sauter l'entrée de la mine? Oui, seulement c'est l'armée qui possède tous les explosifs. On ne peut pas en utiliser sans son accord. Ne vous en faites pas pour ça. Je connais quelqu'un au quartier général. Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est formidable. Diego? Oui. Alors, ça a donné quoi? Je suis désolé. Le commandant a refusé de m'écouter. Il fallait insister, sergent. Eh bien, c'est que vous le connaissez pas, vous, le commandant, avec lui. Il vaut mieux pas insister. Hein. Quand il a dit non, c'est non. J'ai pas envie de me retrouver de corvée de patates. Mais c'est très important. C'est une question de vie ou de mort, Gonzalez. Désolé, mais il refuse qu'on donne des explosifs aux civils. C'est la règle. Si le capitaine Jekyll avait été là, ça aurait été différent. Mais il est absent en ce moment. Vous comprenez que si je désobéis aux ordres, je risque de me faire disputer, moi. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui m'a fichu un empoté pareil? Normalement, l'armée doit aider les civils. Je suis désolé. Lolita! Comment j'ai pu être assez bête pour croire que vous alliez nous aider, sergent? Eh ben tant pis, je vais essayer de trouver l'aide supplémentaire à la ferme de ton père. Allez! Hé, Diego.
Mais quoi? Qu'est-ce que... Pourvu qu'on ne le surprenne pas. Lieutenant Placide, voici les sécuries. Ah, splendide. C'est très bien aménagé, je vous félicite. Regardez-moi ça. Les gardes se sont assoupis. C'est bizarre. C'est l'armurerie, il y a tous les explosifs dedans. Les explosifs? Oui. Oh mon Dieu! Hé! Hey, debout! Réveillez-vous! Allez! Un peu de nerf, messieurs. Vous êtes censés surveiller l'armurerie. Allez, debout! Oh! Vous entendez, oui? Zorro... Quoi? Zorro? Vous avez vu Zorro? Zorro? C'est le petit Zorro! Ça alors! Vite, allez me chercher mon arbalète! Ah oui! Qu'est-ce que c'est que ça? Zorro, qu'est-ce que vous faites là? J'ai pris de la dynamite pour sauver des vies humaines, lieutenant. Incroyable. Tenez, mon lieutenant! Que s'est-il passé? Zorro était là il y a un instant. Eh bien, rattrapez-le! Allez, salut les chevaux, vite! Commandant Raymond. Lieutenant Placide, il paraît que vous êtes un spécialiste de l'arbalète. Oui, enfin, je me débrouille. Vous avez de la chance, je vous confie une mission dès votre arrivée. J'ai un cadeau pour vous, voilà. C'est beau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Une médaille pour vous récompenser d'arrêter ce Zorro de malheur, parce que je suis sûr de votre réussite. Mais il a volé des explosifs, alors soyez prudents. Vous pouvez me faire confiance. Il n'aura pas le temps de s'en servir. Nous sommes prêts! Parfait. Je vous souhaite bonne chance, cher lieutenant Placide. Merci. Vous pouvez compter sur moi. Je vous le ramènerai. Mort ou vif, mais si vous ne l'atteignez pas avec l'arbalète, n'hésitez surtout pas à utiliser les explosifs. Les explosifs? Oui, au cas où il tenterait de s'échapper. Seigneur, oh, ça se coupe beaucoup, ça risque d'exploser. Il faudra emprunter un autre chemin. Ne t'inquiète pas, Bernardo, ça ne peut pas sauter aussi facilement. Vous êtes certain qu'il est parti par là, mon lieutenant? Oui, faites-moi confiance. Grâce à la pluie d'hier, on peut voir les traces de roues. Oui, c'est vrai. Allez, continuons. Allez, continuons. Regardez, Zorro est là-bas. Ils vont pas tarder à nous rejoindre. Qu'est-ce qu'on va faire? Zorro, je t'aurai. Il se débrouille toujours pour arriver à nous échapper. Je sais qu'il vous en fait voir de toutes les couleurs depuis quelques mois, sergent, et que vous n'avez jamais réussi à l'attraper. Mais j'ai de la suite dans les idées, et je n'abandonnerai jamais. Cette fois, c'était moi une. Si je n'avais pas accéléré, cette flèche se serait logée dans mon dos. Apparemment, ils ont recruté un soldat qui s'est visé. Il a l'air plus doué que les autres, même si on est loin d'eux. Il va falloir faire attention. Allez, U! C'est impossible à déplacer. Je n'arrive pas du tout à le casser. Maman, ce n'est pas le moment de discuter. Oui, je sais, ma chérie, mais malgré tous nos efforts, on ne peut rien faire. Oh, excusez-moi, est-ce que je peux espérer? Oh, ne vous inquiétez pas. On les sauvera, c'est une question de temps. Oh, attendez, arrêtez!
Zorro a réussi à voler des explosifs au quartier général de l'armée pour faire sauter l'entrée de la mine. Merveilleux. Ah oui, c'est vrai. Il a volé un chariot et il se dirige par ici. Il va bientôt arriver. Oh non, pas un chariot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Jeff? Monsieur Célébès m'a dit que le pont qui mène jusqu'ici avait été emporté par la coulée de boue. Hé, mais doucement, mais c'est mon cheval! Jeff! Vous savez, il est tard, c'est l'heure du déjeuner, on va avoir du mal à le rattraper. On ferait bien de rentrer. Je ne peux pas renoncer, le commandant m'a demandé d'utiliser les explosifs s'il le fallait. Faut-il qu'il soit vraiment méchant pour utiliser cette méthode? Lui, méchant? Oh non, je crois pas, il est pas méchant, il est très populaire, mais on peut pas dire qu'il soit méchant, hein. Avant de s'enfuir, Zorro a dit qu'il avait besoin des explosifs pour sauver des personnes. Oui, mais nous devons faire notre devoir coûte que coûte. On croirait entendre le commandant. Mais c'est lui qui l'a dit, hein. Regardez, le voilà, il ne faut pas le laisser filer. Quoi? Allez, suivez-moi. Où est le pont? Il a dû être emporté par la tempête hier. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver un gué quelque part, sinon on n'arrivera jamais à traverser avec le chariot. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps. Zorro, on joue plus. Oh, non. Oh, on est pris. C'est terminé, Zorro. Tu vas te rendre sans faire d'histoire. Zorro! Oh non, c'est trop tard. Entendu. Je vais vous rendre la poudre. C'est bien. Allez-y doucement, pas de bêtises. Zorro Junior, donne-la-moi. Zorro! On ne peut rien faire. Détache les barils et donne-m'en un à la fois. Tenez, en voilà un. Oh! Non! Vous savez ce qui arrivera si je tire. Ah, ça, c'est pas honnête, Zorro, hein? Oui, je le reconnais. Mais si je n'avais pas fait ça, vous ne nous auriez pas laissé partir. Mais vous n'irez nulle part. Je vous préviens que si vous bougez, ne serait-ce que le petit doigt, je n'hésiterai pas à vous tuer. Dépêchez-vous! Qu'est-ce qu'il raconte? Son père est enfermé dans la mine. L'entrée est bouchée par des rochers. C'est pour ça qu'ils ont besoin de poudre pour tout faire sauter. Ah bon? Oui, c'est la vérité. Hein. Pourquoi vous ne vous êtes pas porté à son secours, si vous le saviez? Bon, on me l'a interdit. Le commandant Raymond refuse qu'on laisse des civils utiliser des explosifs, alors. Ne perdez pas de temps, Zorro! Il s'enfuit. Soyez pas bête. Il est allé à son secours. Comment ça, il va l'aider? Zorro! L'eau est glacée et j'ai peur. Oh, papa, maman, venez m'aider. Dépêche-toi, ça ne tiendra pas longtemps. Accroche-toi à cette chaîne, petit. Vas-y, attrape mon fouet. Allez. Allez, tiens bon. T'as plus rien à craindre maintenant. Conduisez-moi jusqu'à la mine. Nous transporterons la poudre nous-mêmes. Ça m'ennuie de coopérer avec un bandit comme vous, mais des vies humaines sont en jeu. Merci. Ne me remerciez pas, je vous ai à l'œil.
Je m'occuperai de vous après. C'est bien. La situation se complique, c'est du jamais vu. Si un jour on m'avait dit que j'aiderais Zorro, je l'aurais pas cru. Tenez. Non, j'étais là. Je ne veux pas porter une chaîne que vous avez touchée. Ce serait déshonorant. On est arrivé. Maman! Oh, Jeff! Zorro a volé la poudre pour sauver papa! Oh, Zorro! Mais que fait-il avec le sergent? Comment? Vous êtes sûr de ça? Mais ce n'est pas possible! Mais si, commandant! Il est allé à la mine accompagné de Zorro! Il va le payer! On y va, c'est bon? Ils ont réussi! Ouais. Ce Zorro est hallucinant! J'adore Zorro! Oh. Papa! Papa chéri, tu es sauvé! Ah, oh, mon papa! Bravo! On est arrivé juste à temps, il n'avait plus d'air! Nous avons réussi à les sauver! Merci, lieutenant! Merci beaucoup. Vous trouvez que l'armée ne remplit pas son rôle? Non, c'est exact. L'armée passe son temps à harceler les civils au lieu de les protéger. Si ce que vous dites est vrai, il faut y remédier. Quand j'avais l'âge de Jeff, un soldat m'a sauvé la vie comme j'ai sauvé la sienne. Ensuite, j'ai toujours rêvé de devenir soldat et j'ai tout fait pour y parvenir. Et j'y suis arrivé. Cet enfant va sûrement faire le même rêve que vous, lieutenant. Oh, mon petit papa. Mon enfant. Qui est-ce? Mon Dieu, le commandant! Lieutenant Placide, vous vous êtes rallié à l'ennemi. Vous allez passer en cour martial. Zorro! Oh, oh. Pas un geste. Je vous préviens, je n'hésiterai pas à le tuer si vous avancez. Comment? Qu'est-ce que c'est? Une fois que je vous tournerai le dos, prenez votre arbalète et tirez. Vous avez bien compris? Quoi? L'armée a besoin de soldats tels que vous. N'abandonnez pas. Ce sont des hommes comme vous qui pouvez changer l'armée. Changer l'armée? Oui. Vous avez du courage et vous êtes sincère. Vous saurez viser juste, j'en suis sûr. Pensez à la médaille! Bon, d'accord. Je crois que j'ai compris. Zorro! Zorro! Oh, oh non, pas Zorro! Bravo, dans le mille! Bravo, Zorro est mort! Oh, Zorro! Vous avez fait du bon travail. Vous nous avez débarrassés de notre pire ennemi. Je n'ai fait que mon devoir, ce que chaque soldat devrait faire. Ah, je vois. Très bien. Merci, Zorro. Zorro! Zorro! Réponds-moi, dis-moi que tu n'es pas mort, Zorro. Je t'en prie, réponds. Zorro! Tu as cru qu'il m'avait tué? Bien sûr que non, mais à vrai dire, j'étais quand même un petit peu inquiet. Excuse-moi de t'avoir fait peur, Bernardo. Je vais te montrer mon secret. C'est la médaille. Tu avais mis la médaille dans le dos, juste au milieu? Oui, je savais qu'il viserait juste. Et tu vois, j'avais raison, en plein dans le mille, il est très fort. Si un jour j'ai besoin d'un bon archer,
Je saurai alors qui appeler. Et s'il n'avait pas visé juste, t'as pensé à ça, Zorro? Franchement, je n'ai pas eu le temps d'y penser. Sinon, tu aurais refusé. Ben oui, hein.